Salut à tous, c'est Eric Le Gaulle de chez Galago Musique. Donc toujours à La Réunion, aujourd'hui dans un décor encore tout à fait ouf. Nous sommes devant le Piton de la Fournaise, la star de La Réunion. Voilà, un volcan, un des plus actifs du monde. Autour, il y a l'enclos, c'est-à-dire une espèce de muraille comme ça de roche. C'est super impressionnant. On a une espèce de petit cratère ici qui s'appelle donc le Léos Formicas. Le Formicaléo. Formicaléo, tant pour moi. Et il y a plein de bestioles, ça c'est un truc de ouf, je ne comprends pas. Et donc pour vous aujourd'hui, Lose Yourself du rappeur Eminem, voilà, que vous trouverez sur la bande originale du film 8 Mile. Chanson pour laquelle Eminem a eu donc 2 Grammy Awards ainsi qu'un Oscar pour la meilleure chanson originale, c'est quand même pas mal. Et puis avant de commencer, bien entendu, bonne année à vous, puisque c'est le premier tuto de l'année 2017, c'est pour ça qu'il fallait un cadre un peu majestueux pour souligner l'événement. Donc, les power chords. Nous allons commencer par un power chord de Ré, qui doit sonner comme ça, au niveau du positionnement. On va mettre l'index en 5e case de la corde de La, jusque-là tout va bien, l'annulaire en 7e case de la corde de Ré, et là, déjà, vous avez un Ré power chord, c'est-à-dire qu'on a la fondamentale et la quinte juste, ça forme un power chord. On peut aussi avoir le power chord enrichi, on va dire, en posant le petit doigt ici, ce qui ferait du coup... Mais c'est pas le cas dans le morceau, donc là, pas besoin du petit doigt, enfin, pour le moment, car on en aura besoin évidemment juste après. Donc, la difficulté du power chord, c'est d'arriver à faire, en fait, que vous grattiez les 6 cordes, et qu'on en entende que 2. Et c'est-à-dire ici la 5e case et la 7e case. Pour ce faire, et c'est une technique universelle pour les power chords, il faut que vous arriviez à placer l'index de manière à ce que le bout du doigt vienne déjà toucher, bloquer le gros mi. Donc pour y arriver en fait, le mieux, il y a plein de bestioles, il y a plein de moucherons, je suis désolé. Vous placez donc l'index entre les deux cordes, et généralement, l'index appuie là où il faut, et il bloque là où il faut. Ça, c'est assez génial. Ensuite, pour le placement de celui-là, on appuie donc en 7e case, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de descendre toute la main, comme ça. Parce que si vous êtes de cette façon, on va avoir des cordes à vide et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc hop, je me place, et de cette façon, gros mi bloqué, entendu, entendu, bloqué, bloqué, bloqué. Bah, je pense qu'on va voir à l'écran les moucherons, là, il y en a des milliers, c'est un truc de ouf. J'en ai partout, là. Mais oui. Au secours. Donc ça, c'est le positionnement du power chord qu'on va retrouver systématiquement dans toute la partie A. Et dans la partie B, on aura besoin de se rendre en si bémol power chord. C'est le même positionnement, mais on est en première case et la troisième case des cordes de La et Ré. Et ensuite, en Do power chord, troisième case et cinquième case des deux mêmes cordes, La et Ré. Donc les deux premières mesures de la partie A doivent donner ça. Ça, c'est la première mesure. J'ai fait 8 croches vers le bas, tout vers le bas avec le médiator. 7, 8, d'accord. Ce qui voudrait, c'est qu'autour de chaque attaque, vous relâchez la pression des doigts de la main gauche, mais sans quitter les cordes. Il faut toujours qu'il y ait un contact, sinon il y aurait des cordes à vide, ça va pas être joli. Il s'agit en fait de faire ça. 1, voilà. Vous voyez, je tape vers le bas, et j'ai enlevé la pression des doigts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Après, il faut rajouter l'élément essentiel pour le groove de la rythmique, c'est de placer l'accent sur le deuxième et le quatrième temps, ce qu'on appelle donc, comme toujours, l'afterbeat, hein, l'après-temps. Et donc, ça se situe exactement sur la troisième et septième croche. Et ça va donner ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ça c'est le groove à essayer de choper. Après, c'est que du remplissage, en fait. Donc, essayez déjà en boucle de faire sonner ça, de le faire groover. 4, 5, 6, 7, 8. Et dès que vous accentuez, essayez de trouver, physiquement, un petit mouvement comme ça, qui va vous mettre un peu dans... qui va vous ambiancer vous-même. Ambiancez-vous. Tiens. Oh yeah. Ok, une fois que vous avez ça, vous avez 90% du morceau. Donc ça, c'est la première mesure de la partie A. À la deuxième mesure, on va placer le petit doigt en 8e case de la corde de Ré. C'est pareil, hein, il faut arriver à faire en sorte qu'il n'y ait que la corde de La et que la corde de Ré qui sonne. Hein, les trois aigus sont bloqués, ainsi que le gros mi. Et donc la deuxième mesure va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et... Ha ! Sur la toute dernière croche, enfin double croche exactement, de la mesure, le 8 part, d'accord ? Et on va faire entendre le 5, 5, et rien d'autre autour, toujours bloqué. Pour que ça puisse donner ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et... Et vraiment, ce petit 5-5 de la fin, on le fait en retour. C'est une croche pointée double, comme vous le voyez sur la partoche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et... D'accord ? Après, ça prend tout son sens si j'enchaîne la mesure 1 et la mesure 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1.
Il y a une petite nuance que vous pouvez intégrer également à la fin de la première mesure. Alors, il ne le fait pas à chaque fois. Donc, choisissez si vous le faites toujours, ou si vous le faites jamais, ou si vous le faites une fois de temps en temps. C'est qu'il va placer également une croche pointée double à la fin de la première mesure, comme on avait à la fin de la deuxième mesure. C'est-à-dire, on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. Vous voyez, le petit retour à la fin de la huitième croche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. Voilà. Donc ça, après, c'est selon vos propres souhaits. Donc les deux mesures que je vous ai montrées, vous les faites globalement 3 fois de suite. Hein, donc ça, c'est bien. Et la quatrième fois, ça va donner ça à la fin. 1, 2, 3, 4, ça commence donc tout pareil. 1, 2, 3. Là, on se retrouve vraiment sur des doubles croches. Donc sur la dernière mesure de la partie A, on fait exactement 1, 2, 3, 4 croches en position 5, 8, d'accord ? Et ensuite, on fait ça en aller-retour spécifiquement, parce que ça va deux fois plus vite que ce qu'on avait avant. 5, 8, 5, 5, 5, 7, 5, 5, 5, 8, 5, 5, 5, 7, 5, 5. Du coup. D'accord ? Donc toute la dernière mesure, 1, 2, 3, 4. Et on revient au début. Ça, c'est le premier temps du départ. Les deux dernières mesures d'affilée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Et on recommence du début. Alors depuis le début, toute la partie A, 3 et 8 mesures. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Troisième mesure. Cinquième mesure. Septième mesure. Et on arrive à la fin. Et c'est reparti. Donc au niveau de la structure, vous commencez par faire ce A trois fois. Ensuite, on a la partie B. Et la partie B, elle est très très courte. Ça donne ça. Vous le jouez une fois, 3, 4. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est sur le power chord de Ré. On fait pareil, 8 coups vers le bas, avec le petit retour à la fin de la 8ème croche, si on a envie. C'est surtout bien avec les accents, c'est ça qui compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et peut-être, voilà, si on le souhaite. Et après, on va se diriger vers un si bémol power chord. C'est le même placement, mais juste on déplace l'index en première case, et donc l'annulaire en troisième case ici, et on va faire 4 croches sur ce positionnement. 1, 2, 3, 4, suivi de do power chord, 2 cases à droite, et pareil. 1, 2, 3, 4. Fin du refrain. Pour faire une partie B, on fait 4 fois ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, vous le feriez encore 3 fois et vous auriez une partie B complète. Voilà, donc ça vous fait faire la partie A, vous savez faire la partie B. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans l'ordre. Donc vous feriez... Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto et ce paysage vous auront plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne bien sûr. Et je tenais à remercier également chaleureusement Fred qui nous accompagnait, Madeline et moi, Madeline qui tient la caméra, que je remercie. Donc voici Fred avec qui je pense on va faire une super balade après le long du volcan. Enfin, je voulais qu'à merci à vous vraiment d'avoir suivi le tuto et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines aventures si possible avec des paysages fabuleux.